Et bien salut tout le monde, c'est Milo, j'espère que vous allez bien les gars. Bienvenue aujourd'hui les gars pour ce 4ème épisode du Let's Play sur Inazuma Eleven Strikers les gars. Ça y est, le stagiaire a fait son époque au goal. Il faut dire que quand même ça va, c'était assez rude pour lui, mais ça y est, il s'en est sorti. D'ailleurs vous avez vraiment kiffé le dernier épisode. Celui-ci j'espère que ce sera pareil. N'oubliez pas les petits likes les potes, les petits pouces bleus, très important. Objectif 500 pouces bleus. On va encore une fois faire deux matchs dans cette vidéo. On va continuer nos matchs de qualification là jusqu'à temps qu'on ait fait toutes les phases. Et on se retrouve tout de suite pour affronter la première équipe. Voilà les gars, en tout cas en ce qui concerne ma formation, j'ai rien changé depuis la dernière fois. On a toujours notre petit trio les gars, on a l'impression d'avoir les dragons de feu en fait. On a Gazelle, Byron en avant-centre et puis Torch qui est sur le côté droit. On a les milieux de terrain avec toujours Samford, Jude et puis Eric. Et nos 4 défenseurs, les gars on joue en 4-3-3. C'est parti, alors déjà qu'est-ce que fout Samford en attaque? Pourquoi est-ce que c'est pas Byron ou... Pourquoi est-ce que c'est pas Torch ou Gazelle qui engage le ballon là? Je comprends pas, déjà faut m'expliquer ce truc là. Wesh Drent, hey, y'a des poids lourds en défense les gars. Et là à côté t'as Samford frère, il est tout maigrichon. Ok, on va essayer de prendre un peu d'avance avec le stagiaire qui court sur l'aile les gars. Ça va le faire. Est-ce qu'on testerait pas un premier tir pour voir un petit peu ce que nous réserve le gardien? Wesh, il est déjà crevé? D'accord, va falloir se renforcer un petit peu mon petit Eric là. Lui fait un cross au bout de 300 mètres, il est sur le côté en train de marcher. C'est abusé. Faut qu'il prenne la balle déjà, voilà ce qu'il arrive pas à faire. Vas-y go go go, cavale mon pote. Cavale Kenny, cavale. Ah ils ont zéro endurance mes joueurs, c'est abusé. Allez hop, faute. Tu crois qu'on t'a pas vu me faucher par derrière mon gars? Foot en tac hein, c'est tout pour moi. Il y a même pas faute, je te dis sérieusement. Carton rouge pour toi. Wesh, c'était quoi ce bruit là? Ok. Merci pour l'abonnement, on est en vidéo mais c'est pas grave. Oh la honte, t'as perdu la balle contre un vieux capitaine qui s'est fait éliminer la saison 1 frérot. T'es conscient de ça ou pas? Mais wesh, pourquoi ça donne pas la balle à Samford gros? Ah ça y est. Ok, on va mettre une frénésie, let's go. À l'attaque! À l'attaque pour l'ultime bataille! À l'attaque pour l'ultime bataille! Hop là! Samford qui cale son manche en point numéro 1. Vas-y mon pote, fais tes techniques, tu vas faire quoi? Perceuse, ah oui, il a plus la morsure sauvage. Ouais, ça rentre hein. Yes! Faut qu'on reste sur cette cadence là, on va s'en sortir les potes. Ok Byron, il va bientôt charger. Oh les gars, on se casse. Que vous m'avez dit dans les commentaires que ils ne peuvent pas passer en frénésie eux. Il y a que moi qui peux, mais eux ils peuvent pas. C'est que dans Ghost Strikers en fait que la frénésie a été débloquée pour les équipes ennemies. Par contre là on se prend quoi comme tir là? Un tir ricoché. On va quand même faire la muraille de roche, hein. Enfin la muraille géante. Ouais yes, on a le ballon tranquille. On va regarder un petit peu, check un petit peu là. Les rétros un peu. Ceux qui conduisent, vous avez capté. Oh, on a déjà une deuxième frénésie. Ah ouais c'est cheaté en fait. On va marquer tous nos buts avec la frénésie. Un petit savoir suprême en frénésie les gars. Bah alors mon couillon, tu veux avec du sel ou du poivre le savoir suprême? Aïe. Ah oui, il l'a choisi sans poivre et sans sel. Il va être fade après gros ton savoir suprême. Bah non il est fade. Bah ouais mais gros. Ok tu l'as. Vas-y Gazelle, est-ce que t'es chargé? Mais non Gazelle, il branle quoi depuis le début frère? Gazelle t'as fait un tacle depuis le début du match hein. Reste à ta place frère. T'as rien fait, t'es nul. Nul Germain. Nul, sale nul. Nul, espèce de maïs. Nul par grand mythe. Nul Germain. Oh la galère gros. Arrêtez là, vous m'incendiez là. Ils me font 15 tirs à la seconde. C'est une catapulte le bordel. Non, ils veulent arrêter le milieu de terrain gros, voilà. Mon gardien il prend tellement de place dans le but que la balle elle peut pas rentrer de toute façon. Holy shit. Eh, je vais finir par plus avoir de points là, à prendre tous les tirs dans la gueule. Oh! Mais j'en ai plus, j'ai plus de points les. Oh là là. Oh, il l'a arrêté à la main! Mais c'est un monstre! Aïe. Par contre, faut qu'on mette marque en seconde mi-temps, ça va pas le faire sinon. Ok les gars, c'était la mi-temps là, vous vous êtes fait gueuler dessus par le coach, maintenant faut appliquer. Faut appliquer le règlement les gars, faut appliquer les conseils du coach. C'est les conseils pas chers. Vas-y Torch, montre ce que c'est les conseils. On va leur montrer ce que c'est un conseil les gars, c'est pas comme les conseils de Koh-Lanta là. Petite éruption solaire. Qu'est-ce que t'as dans le bide mon pote? J'espère que t'as autre chose que le McDo de ce midi. Ouais, il a quand même une muraille infinie. Ça passera pas les gars, ça passera pas. Tant qu'il a cette technique là, ça va être compliqué de marquer hein. Pour pas dire impossible. Oh non le poteau. Non. Vous savez vu ou pas ce que j'ai fait les gars? On va tester. Oh ça allait partir gros. Mais
suis hors jeu ta mère, je suis pas hors jeu du tout, qu'est-ce que tu me baragouines? Un petit impact nordique les gars. T'as encore? Mais t'as combien de points mon frère? C'est la quatrième du match qui fait. Ah là là, son séisme, je m'y ferai jamais les gars, beaucoup trop fort. Trop fort. Tacle, mais tacle pas dans le vent gros. Tu fais plus de vent que Avatar le dernier maître de l'air. Voilà. Essaye d'arrêter mon moment, je suis empereur. Je te regarde là, vas-y. Ouais, c'est bon les gars, 2-0. J'en ai marre! J'en ai marre du karma! Fais gaffe! Vas-y, siffle! 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 Voilà! Rien n'aura donc pu départager ces deux équipes. Il est con quoi? Bon les gars, on voit que ça commence à être serré, hein. Ça commence à être serré. Une victoire avec seulement un petit but à 0. C'est quand même passé, mais c'était chaud. Honnêtement les gars, je suis pas serein. Je suis pas serein, je me dis que ma compo, elle est peut-être pas assez forte pour battre la sélection mondiale. Je sais pas du tout si on va s'en sortir. Oh les gars. C'est le moment, mais ça vient de commencer frérot, tu veux pas attendre? On dirait un gosse qui a envie de pisser. Allez, on tente un premier tir. Est-ce que ça peut passer la main de l'âme ça? Non. La main céleste X? Peut-être. Ah, il fait la main de l'âme. Ouais, il l'a, hein, tranquille, hein. Cavale. Ok, go. Montre-moi que j'ai bien fait de te choisir, mon pote. Ah ouais, mais t'as le même tir que Byron, en fait. Moi, je pensais que t'allais avoir un Gunnir amélioré, mais non. Il fait quoi, Bobby? Bobby, c'est un danseur. Ouais, mais ça rentrera pas, ça. Ouais, voilà. Bon, il a déjà fait deux mains de l'âme. Ouh, j'ai serré les fesses. J'ai serré les fesses. Oh, merde. Oh, le boulos. Oh, le boulos que je suis. Là. Ouais, les gars, c'est ça. On tacle au pif et ça passera peut-être. Dis-moi que Hector n'a plus la main de l'âme. Juste dis-moi ça, fais-moi plaisir. Au moins essaye. Allez Hector, t'as plus la main de l'âme, t'as plus la main de l'âme. Tu l'as plus gros. Mais si tu l'as encore, mais wesh. Il a fait 3 mains de l'âme depuis le début. Bah ouais, mais normal qu'il l'arrête les gars. Ok Hector là, vas-y, tu peux le mettre. Ah, il a un arrêt tout court. Oh oui. Oh oui, c'est bien ça. Yes. Yes, 2-0. Alors, qu'est-ce que ça donne? Yes. Et il retourne à 0 pété. Voilà, fin de la première mi-temps, 4-0 pour nous. En gros, c'est gagné. Ok, c'est parti, seconde mi-temps. Bon, à mon avis, là, j'ai tous les gros buts que je pouvais mettre, je les ai mis. Là, ça va être compliqué de marquer maintenant. Je pense que je l'arrête, hein. Vu de là où il a tiré. Quoi? Ah ouais. J'ai littéralement pris un but du milieu de terrain, la honte. Ok, vas-y. Vas-y, Byron. Il a traversé le terrain tout droit, les gars. S'il la met pas au fond, je serais dégoûté, là. Là, je serais dégoûté. Ah, il allait à plus de points, là, Hector. Qu'est-ce qu'il va faire, Hector? Ah ouais, d'accord, main de l'âme, au calme. Ok. Genre, lui, là, pendant la mi-temps, il a pris un total soin dans Pokémon, tu sais. Ouf. Jax, qu'il a mis à Paolo. Mince, non. Non. Oh, non. Oh non. Non. Mais t'es nul. T'es nul. Mais pourquoi t'as pas ta meilleure technique aussi? Pourquoi t'as pas la barrière là? Non. Holy shit. Non. Aïe. Les gars, on se fait remonter. C'est quoi ce délire? Si j'en reprends un là, il y a égalité, je suis en train de me dire. Canalise ton énergie. Mais gros, il n'y a pas le temps avec ces conneries là. Là on est en train de se faire remonter. Non. Oh putain. Tu l'as. Il est du milieu de terrain. Il est du milieu de terrain gros. Tu l'as. Non. Mais non mais. Mais c'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? On se prend des buts du milieu de terrain. Il est trop nul King. Mais ils sont marqués à la dernière minute en plus. Oh là 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 là, j'ai la haine les gars. Mais allez, mais vas-y, au lieu de dire t'y vas, gros. C'est ouf, là, ce qui se passe. Ok, on va se calmer. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Moi, personne m'a plu, même si à la fin, j'ai bien ragé sa mère, parce que je me suis pris une remontada, mais what the fuck. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, les potes. À la prochaine, c'était Milo, jeune et dynamique. Oh, ça faisait longtemps que j'avais pas sorti celui-là. Hein.